2h30 du mat, tac au night avec les gars. Entouré des deux molosses, on chie sous les étoiles. Bière et bœuf commencent à faire leurs dégâts. Face à ces galaxies, on s'imagine mettre les voiles vers des planètes enchantresses, des mondes inexplorés, à la recherche d'aventures galactiques dans d'étranges vallées. Nos esprits ascensionnent, aidés par la musique de Taiko. J'entre en symbiose avec la Terre, prêt à faire dodo. Quand tout à coup, dans un flash aveuglant, apparaît un vaisseau spatial face à nous, noir de jet. Type monolithe en mode Stanley Kubrick. On se regarde d'un air ébahi, cataplexique. Pas le temps de réagir, qu'on nous allume un spot dans les yeux. Nos trois corps se mettent à léviter dans ce faisceau lumineux vers le vaisseau. Puis après nous se ferme une trappe brusquement, laissant derrière nous seulement les deux clubs savoyants. Si tout cela était vrai, est-ce qu'on y arriverait? Pendant nos nuits blanches surgissent comme un coup du sort des histoires incroyables, personne ne croirait. Mais tout ce qu'on veut c'est pas finir laissé pour mort. Si tout cela était vrai, est-ce qu'on y arriverait? Pendant nos nuits blanches surgissent comme un coup du sort des histoires incroyables, personne ne croirait. Mais tout ce qu'on veut c'est pas finir laissé pour mort. Ça y est, j'ouvre les yeux, ils s'habituent à la pénombre. J'aperçois trois bols fumants apportés par des ombres. Décor à la Star Trek, silence pesant, des lumières qui clignotent. Les trois bols sont tendus, enfin je distingue nos hôtes. Petit rose pantalon jaune, j'aurais dû m'en douter. Club Pobex, yeux cathodiques, ils nous servent du thé. Je les salue avec joie, ils me répondent d'un air bonhomme. Si tu vois pas de quoi je parle, faut écouter le premier album. L'air gravé est sombre, ils me disent que l'heure l'est aussi. Et qu'on doit se demander ce qu'on fout ici. Leur système est en guerre contre l'état histaminique. Leur peau sèche et morte n'égale que leur âme fanatique. Les graines de papy Vicky maintiennent les troupes en transe. Mais survient un fléau qu'ils ont appelé la faim immense. Ce qui explique la raison de notre venue ici. On fait les meilleurs fonce-dalles de la galaxie. Si tout cela était vrai, est-ce qu'on y arriverait? Pendant nos nuits blanches surgissent comme un coup du sort des histoires incroyables, personne ne croirait. Mais tout ce qu'on veut c'est pas finir laissé pour mort. Voilà donc Paris, chef, toc et tablier. Dans un étrange fourni, l'un des leurs pour nous surveiller. L'air à peine réveillé, dans ses mains, clope et sablier. L'esprit terroriste, pas de quoi nous effrayer. En deux temps, trois mouvements, les mets sont prêts. On attend patiemment qu'ils s'empressent à terminer leurs auges avant de les questionner. Pourquoi exterminer ces autres? Pourquoi cette guerre? Pourquoi la cautionner? Les allergiques minoritaires revendiquant un bout de terre avec un air austère et des pratiques délétères veulent envahir la galaxie, répandre leur atopie. Quelle horreur pour nos potes roses, ça vira à la dystopie. Convaincus de leur bonne foi, on se remet au fourneau. Boulettes de bœuf, gosdem tagine bolo, c'est notre credo. On charge le tout dans un aéronef d'argent et de cuivre en route pour les tranchées de cette grande guerre. À suivre.